10h dans les jardins. Donc il y en a qui vont se taper une heure de route et vont arriver pour un petit café. Donc nous on sera là avant. Mais t'arrives à l'heure d'un tarant, Isabelle. Par contre, c'est vrai qu'on a un gros coup entre midi et deux, on est vraiment débordés. Et le samedi, on a les plateaux asiatiques à faire et c'est assez long. Donc ça peut être sympa que ce soit à ce moment-là. Ah, voilà, donc tu vois, entre 11h et 12h. Jardin, bah, ça doit faire 12 ans maintenant. Et, bon, ma foi, ça se poursuit. Hein. C'est une manifestation qui survit au temps, qui attire toujours les artistes, qui attire toujours aussi les visiteurs. Et surtout des visiteurs variés, en fait. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas l'habitude habituellement d'aller voir des expositions viennent volontiers voir parce que c'est peut-être plus facile d'entamer des dialogues quand on est chez des particuliers que quand on est dans un lieu institutionnel. Ça devient un tout petit village et en même temps un très grand. C'est une accumulation d'une richesse humaine énorme. Les tableaux qui risquent de voler, on a des matières un petit peu fragiles. La pluie. Tout comme ça, voilà. Parce que vous, ça craint pas la pluie, tout ça. Moi, c'est fait pour être dehors, donc. Ah oui, chacun ses avantages. Non, mais c'est pour ça que j'aime bien ces fêtes-là, ces manifestations-là, parce que là, je me sens dans mon élément. Venu il y a 2 ans avec un roman en fait qui parlait du jardin d'Éden et j'avais trouvé le concept de venir lire mon roman qui parle d'un jardin dans un jardin, c'était l'idée intéressante et puis l'idée de mélanger les arts parce que finalement la nature est un art et c'est assez intéressant. Moi, j'ai pas l'habitude de voir mes tableaux à l'extérieur parce que ça perd l'intimité en fait du travail. On est c'est comme c'est un travail, il y a des personnages, il y a un silence dans l'intérieur, donc ça va jouer sur l'œuvre. Quand on est à l'extérieur, on est vite perdu par ce qui se passe autour, les murs, le son. À l'intérieur,
dans une pièce à l'intérieur, on peut toujours imaginer quelque chose, le son, il est dans notre imagination quand on regarde un travail, on est concentré dedans. Christophe, on va faire une chanson en duo, hein. La balade du Nord. Ouais. Irlandaise. Avec un qu'on appelle un pays en voie de développement.